Bonjour, bonsoir à tout le monde. On l'autre fois encore, c'est avec un pile plaisir moi rentrer sous écran aujourd'hui à travers Natacha Dassiné Chanel. Tant que j'en ai toujours fait, le premier minute présentation, c'est pour vous-même qui prend temps, qui regarde les vidéos nous, qui commente, qui partage. Merci en pile. Sous fait abonner avec chaîne YouTube ça, qui t'aime vous bienvenue. Objectif nous c'est informer, former, sensibiliser ou bien analyser avec de sujets qui ont rapport soit avec politique, communication, développement personnel, leadership, droit femme, participation politique femme et la trier. Un sujet qui domine l'actualité à travers le monde, c'est question élection dans pays États-Unis. En pile gros analyste politique, en pile profane et en pile abonné Natacha Dassiné Chanel yo pas suspend mandé en Joe Biden avec Donald Trump qui est qui pral gagner élection ça yo. Dans la date 3 novembre 2021 là qui pral venir dans moins que 48 heures. En dépit de sondage qui fait dans cadre élection américaine yo qui mettait ancien vice-président Joe Biden très confortable parce que li devant dans presque tout sondage, tout gros spécialiste dans mode là connaît que li difficile pour ne pas dire impossible faire un pronostic sur résultat élection pour poste président dans pays États-Unis. Plusieurs raisons expliquer ça. Pabli m'te dit nous semaine passée pays États-Unis gagne un système électoral qui très très complexe surtout avec cause grand électeur yo. Sou te rate présentation ça, moi invite au cliquer sur lien en bas vidéo ça pour regarder côté que m'te expliquer qui ça qui collège électoral ou bien grand électeur dans la coupe pays États-Unis. Une raison qui fait les difficile pour n'importe qui spécialiste prédit d'avance qui candidat cap sorti gagnant dans élection dans pays États-Unis, c'est parce que tout bagaille yo joué au niveau état yo. Pas oublier m'te dit nous état yo gon rôle important dans élection ka tonton Sam. Au lieu de on élection gen moun ki dit c'est 50 élections. Bref, pas oublier m'te dit nous candidat qui gagne vote populaire yo pas forcément c'est lui même qui pral gagner majorité vote dans collège électoral comme t'ai expliqué nous déjà. Ça veut dire yo candidat lui même li ka devant tant que j'en t'ai pour Hillary Clinton en 2016 ou bien pour George Bush en 2000 au niveau de vote populaire yo, mais li pas forcément c'est lui qui pral gagner majorité vote grand électeur yo. Donc, ça rend très très compliqué, même si il y a un sondage, c'est ça fait actuellement. Sondage, yo mette Parti démocrate là en tête, mais yo très prudent et yo continue travail tout. Parce que yo connaît un yen pas garanti et jusqu'à présent, yo gagne un goût amer qui était dans bouche de l'élection 2016. Là. On a raison qui fait li très très difficile pour faire un pronostic sur résultat élection présidentielle dans le pays États-Unis, c'est que grand électeur qui mandaté justement pour yo voter pour président, yo pas forcément voter dans le même sens à l'État. Nous te dit ça déjà. En pile moun rele yo des grands électeurs qui déloyal, qui gen doit venir, mais qui pas voter pour parti que yo mandaté pour yo voter. Ça connerie. Troisième raison qui fait li très difficile pour pronostiquer sur résultat élection présidentielle dans le pays États-Unis, c'est fameuse théorie winner takes all. Suivant théorie ça, n'importe candidat qui gagne majorité voix au niveau de collège électoral pour yon état, li rafle toute voix état. Ça veut dire. Pas oublier de dire nous, par exemple, état Californie qui pi peuplé, li gagne 55 grands électeurs, donc n'importe candidat qui rive fait 28 voix, 28 votes de grands électeurs yo, li rafle toute 55 voix pour California. En pile, gros spécialistes toujours remettent en question système électoral pays États-Unis, surtout pour causer ça. Il y a des gens qui trouvent li pas équitable, li manque juste. La population elle-même li dit li pas senti vote li en compte. C'est ça que fait dans campagne électorale, candidat yo bay en pile importance à des états qui pas gagne une position ferme. Nous connaissons des états qui foncièrement démocrates, gagne des états qui foncièrement républicains. Ça veut dire yo toujours voté démocrate, yo bleu ou bien yo toujours voté républicain. Si nous regardons dans carte là, nous capable voir et couleur état yo. Mais gagne tout qui c'est des états swings, des états qui versatile. La kaino nous te ka di de états qui ap la lose. Suivant qui est-ce qui dans élection, suivant programme politique
qui rive sou yo pour yon élection, yo pral décider qui est y a bay vote pa yo. Nous gagnons par exemple la Pennsylvanie, nous gagnons la Floride, c'est deux états qui clé que électeur yo, que candidat yo, c'est deux états qui clé que candidat yo bay en pile importance. Sou besoin gagne en présentation plus pour qu'on ait état yo, état bleu, état rouge et puis avec swing state yo, état flottant yo. Pas hésiter dis nous ça dans un commentaire. Quatrième raison qui fait les compliqué pour n'importe gros spécialiste dans t'arriver faire un pronostic qui exact sur éventuel gagnant élection présidentielle dans pays États-Unis, c'est que en cas d'exéco au niveau du collège électoral, pas oublier me dit nous collège électoral là, il y a 538 grands électeurs. Pour yon moun rive élu président des États-Unis, faut qu'ou remporte la majorité des votes, faut qu'ou gagne 270 votes. Mais si ça t'arrive, chaque candidat yon fait 269, yon exéco, yon en égalité, c'est chambre des représentants qui pral départager yon. Mais attendez, c'est pas simple que ça. C'est pas yon représentant yon voix, mais c'est pral plutôt yon état yon voix. Si c'était yon représentant yon voix, l'étape facile pour dire parti qui gagne plus représentants dans congrès a remporté vote yo. Mais dommage, c'est yon état yon voix. Donc état yo m'a prodil encore yo important en pile dans élection présidentielle pays États-Unis. Plus yon candidat ka goumé pour remporter plus état, c'est plus l'a gen chance pour gagner élection. Voilà en gros quelques raisons qui fait de manière générale li difficile pour yon moun bayon pronostic exact sou qui est kap gagne élection. Qui fait journée jodi an à seulement 48 heures, nou pa ka di si c'est Donald Trump ou bien si c'est Joe Biden. Conjoncture pandémique que nap viv lan li rend travail ça encore plus compliqué. Même dans la soirée du 3 novembre et même plusieurs jours après, nou pa ka di qui est qui ap gagne élection yo. Pour qui ça? Parce que gagne ça y aurait les votes par correspondance là. Gagne vote anticipé, gagne vote par correspondance. Vote anticipé ça veut dire élection a commencé déjà. Grand pile monde qui déplacé qu'al voter. Mais gagne vote par correspondance surtout que Donald Trump critiqué en pile et nous comprendre ni parce que tendance yo montré que vote ça yo toujours aller en faveur parti démocrate. Donc jusqu'en mi-mois de novembre, il y a continué recevoir vote par correspondance. Ça veut dire son élection n'a pas des jours et des jours pour nous connaître qui est qui a gagné. Toutefois, qui t'aime dit nous que monsieur Donald Trump est candidat à sa succession. Ça veut dire il est président en fonction qui candidat. Ça rend ni favori. Et si nous regardons dans l'histoire électorale pays États-Unis, très souvent, m'a dit toujours, d'ailleurs ça pas écrit aucun côté ni dans la constitution ni dans pièce et document et légal pays États-Unis que candidat qui sortant, président qui sortant, li obligé réélu et nous en 1980 Jimmy Carter li pat réélu et puis près nous là en 1992 George Bush père il était perdu élection pendant que il était président sortant en face Bill Clinton. Mais après deux cas d'exception ça yo fort souvent le plus souvent un candidat sortant il est toujours réélu. Ça te ka fait Donald Trump li favori. Et puis l'autre bagarre encore peuple américain c'est un peuple qui très conservateur. Donald Trump li joue sous ça, li fidélise extrême droite. Par contre, bon côté démocrate, qui c'est parti de la gauche, qui progressiste, qui réformiste, gagne des situations conjoncturelles qui jouent en faveur. Par exemple, crise sanitaire, mauvaise gestion pandémie coronavirus non, par administration Donald Trump, avec crise économique que pays États-Unis a fait face. Sans parler de mobilisation anti-raciale qu'a fait dans la coupe pays États-Unis, qui fait que en pile monde décidé, même de gros potoriques républicains, a essayé basculer vers démocrate parce que yo gen problème avec Jean Donald Trump lui-même li géré problème raciste qu'a
bouleverser pays États-Unis. Et nous avons des États, par exemple l'Arizona de l'ancien sénateur John McCain, qui c'était un État républicain, qui a switch là. Actuellement, c'est une parmi les 12 États swings, États flottants, qui a tendance à aller vers républicain, qui a tendance à aller vers démocrate. Donc, c'est autant de raisons ça qui fait que candidat Joe Biden est très confortable et même dans le sondage. Tout. Mais qui est-ce qui prend l'élection? Nous avons tourné pour vous au fur et à mesure que l'élection a avancé pour nous porter de l'information pour vous. Pas oublier, si vous avez une question particulièrement qui intéresse, dites-nous ça dans un commentaire en bas de la vidéo. C'était avec nous Natacha Dacinem, casse rendez-vous à vous très bientôt pour une autre vidéo.